Bonjour à toi. Pour le tirage de nid de créativité, ceux qui ont choisi la citrine, il y a la carte. Il y a la rune, je veux dire, du point tournant. Et je tire avec les dieux et déesses en ce moment. Il y a l'empereur de jade avec Armétis, l'organisation et le focus. Ça nous dit vraiment que vous vous préparez pour vous organiser et vous focusser pour votre nouvelle vie, le nouveau tournant de votre vie. Il y a la découverte avec Maui et Gaïa, peut-être des voyages, des découvertes sur soi. Ici, il y a la mort, la libération. On est à un point tournant. On change de peau, on se libère des vieilles choses pour aller vraiment vers la découverte. Et vers le flow et le potentiel, ça nous amène vers un monde de possibilités et avec le temps. Ici, il y a les désirs, il y a l'intuition. Suivez votre intuition et vos désirs parce qu'il va vraiment avoir une ouverture pour vous. Et il y a beaucoup de partenariat ici. Ici, je vois une femme, une énergie féminine qui a traversé beaucoup d'épreuves, mais qui est vraiment plus forte aujourd'hui et qui est capable d'affronter. En gros, là, il y a quelque chose de gros cette semaine. Il y a vraiment de laisser aller notre ancienne vie pour vraiment, avec l'organisation puis le focus, on va vraiment découvrir, aller à la découverte de soi, de son potentiel et du flow. Et suivez votre intuition, vos désirs. Comprenez bien vos désirs et ouvrez-vous à de nouveaux partenariats. Alors, c'est cela pour le tirage.